Bonjour, je vous retrouve pour vous faire un haul. Alors, j'ai commandé à plusieurs endroits et j'ai acheté ça aussi à Gamme Vert. Alors, moi, je me suis acheté cette pince-là au salon du loisir créatif et j'ai dû l'avoir presque 2 euros. Alors que là, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pinces pour 3,50 €. Et j'ai vu que plusieurs personnes s'en utilisaient et qu'ils allaient très bien. Donc du coup, je me suis dit, je vais essayer. Ça ne coûte rien. Des fois, pour tenir les die-cuts, les étiquettes qu'on veut coller sur nos pages, je vais essayer. Je verrai bien ce que ça donne. Donc, après, j'ai commandé à une boutique qui va fermer et que j'ai vue sur Facebook. Donc, du coup, j'ai fait une commande. Donc, c'est très bien emballé. Elle l'a mis dans une boîte à pizza et elle a mis des restes de papier déchiqueté, on va dire, à la machine. Donc, c'est très bien emballé. Donc, j'ai pris ceci. Alors, j'avais eu ceux avec les licornes que j'adore. Bon, après, il faut les découper. Ça, c'est autre chose. Et là, c'est... Ben, c'est des animaux. Donc, je l'ai eu 3 euros. Je vais vous faire voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ça fait au moins un mois que je l'ai. Mais en fait, j'ai pas le temps de faire la vidéo. Donc, du coup, bah. Alors, j'adore trop, trop, trop. C'est trop beau. Les montgolfières. C'est trop ce que j'aime pour les bébés. Et moi, j'avais fait le baptême de mon fils, thème Jacques. Donc, en fait, j'ai commencé l'album. J'ai commencé à décorer, mais j'ai pas fini. Donc, ça pourrait peut-être bien aller. Bon, là, les licornes, ça sera plus pour ma fille. Oh, le lapin, il est trop beau, là. Il mélange un peu tous les animaux là. Flamant rose avec un lapin. Un peu bizarre, mais bon. Y a un petit dragon, ça, je sais pas si c'est ça. Oh là, c'est trop beau ça. La montgolfière avec le petit animal. Alors, je sais pas combien c'était à la base, mais du coup qu'elle ferme sa boutique, la dame, elle mettait tout à prix réduit pour que ça parte. Là, l'arc-en-ciel, j'adore trop en macramé. J'avais déjà vu des tutos, mais je sais pas si j'y arriverai. Alors, j'ai même pas acheté le macramé. J'en avais vu à Action qui était moins cher qu'autre part, mais j'ai peur de me lancer et après de pas finir. Je crois qu'après c'est les doubles. Je suis pas sûre si ça doit être ça. Parce que du coup, on a deux fois les mêmes étiquettes. Il me semble. Ça me dit quelque chose. Oh, elle est trop celui-là. Après c'est les doubles, donc je rangerai tout à l'heure, c'est mieux. Donc elle m'a mis aussi un marque-page. Alors j'adore trop, en plus c'est licorne, c'est tout pile dans le thème hein.
Alors là, j'ai payé 50 centimes la feuille. Et j'ai regardé dans les autres boutiques, ils étaient bien plus chers. Je vais essayer de garder la pochette en plastique. Ah oui, elle m'a mis aussi des étiquettes comme ça. Alors ça, j'adore trop. C'est pas mal, c'est pas grand-chose, mais ça sert toujours ça. Alors comme ma fille fait de la danse, j'avais envie de lui faire un album avec ses photos de danse et j'ai vu ça, alors c'est trop trop beau. Derrière, c'est plus simple, mais de toute façon, je vais utiliser les cartes. Ça, j'adore aussi les animaux comme ça. C'est dommage parce que des fois, il y a des belles cartes comme ça ou des belles pages. Mais en fait, c'est tellement beau que j'ose pas l'utiliser, pas couper. Alors celle-ci, j'adore aussi avec les petits monstres là. On dirait des trolls, je sais pas trop. On a une licorne. Belle aussi la feuille derrière. Donc je sais pas encore trop ce que je vais faire avec. Je verrai bien. Oh ça j'adore. Elle est trop belle là. La fée là, bon, je pense que c'est une fée, même celle-ci. Le loup là, elle est trop trop beau. Ouais, je les ai payés 50 centimes quand même les feuilles. Ça fait pas cher, hein. Et là, ça, 3 euros. Je serais... Ah bah, là, il y a 4,50. Donc, peut-être que c'était 4,50 avant. Je sais pas. Bon, moi, je l'ai vu bah, il y a à peu près un mois. Et elle avait déjà commencé à déstocker en décembre. Donc c'est dommage parce que j'avais vu des trucs qu'ils étaient allant au début à déstocker. J'en aurais bien voulu, mais bon, c'est pas grave. J'en ai quand même déjà eu pas mal. J'avais même pas vu que là, il y avait... Je sais même plus si je l'ai ouvert en fait. Je m'en rappelle plus. Non, je crois pas. Puis en plus, elle a été vite pour me l'envoyer. 3 jours après, je l'avais. C'est dommage que les boutiques françaises ferment. C'est tout coloré. Je sais pas s'il n'y en a pas une deuxième. Non, ils sont tellement épaisses. Pas marqué combien de grammes, mais c'est épais. Je me suis dit, je vais faire la vidéo que je puisse ranger parce que sinon... J'en ai plein partout, du coup, je peux pas ranger. Ce que j'ai aussi ça à vous faire voir. Donc ça, je l'ai commandé sur Vinted à une personne. Donc, je vais pouvoir le mettre à la poubelle. Donc j'ai commandé
un tampon de chez les ateliers de Karine. Ça, je l'ai payé. Ça doit être 4 euros, je crois. Aussi, de toute façon, j'ai payé 12 euros les trois, donc oui, c'est ça. J'adore les phrases en français ou les mots en français. Ça, je le voulais, puis je suis tombée dessus par hasard. Du coup, je me suis dit, je vais regarder ce qu'elle a d'autre. Du coup, j'ai trouvé quand même trois belles choses. Donc, du coup, c'est encore français. Donc là, à une autre personne. Bon, la boîte, je vais pas la garder. Alors ça, je l'avais vu il y a déjà un moment. Et là, du coup, comme j'ai vu ce qui va arriver après, j'ai pris ça. 100% mec avec le derrière, la structure. Donc, j'ai vu ça. Je veux des paillettes. Je veux que ça brille. 2020, place au bonheur. 2021. Mais du coup, je vais pas mettre le. L'année, comme ça sera très bien. Alors, comme j'ai vu qu'il y avait ça, j'ai pris le deuxième. Que ça fait un moment que je l'ai vu à cette dame-là. Et du coup, qu'elle avait que un article que je voulais, je le prenais pas. Et du coup, là, je l'ai pris. Et ensuite, donc dans une autre boutique encore qui va fermer, c'est Scrap Touche. Alors je ne sais pas si c'est déjà fermé ou pas, parce que ça fait le 18 février. Je l'ai reçu le 18 février, donc je ne sais pas si ça a déjà fermé ou pas. Ça, donc j'ai pris ça. Donc, tous les petits trucs là, c'est moins de 2 euros. Je ne sais plus trop. Sais pas si j'arriverai à le trouver. Ficelle de toute façon, sur la facture, il n'y a pas les prix. Donc, bon, j'en ai eu pour 20 euros pour ça. Donc. Là, des petits pompons roses. Là, des anneaux. Enfin, des gros anneaux, j'en cherche toujours. Sur AliExpress, c'est très très long la livraison, c'est embêtant. Donc, du coup, là, je me suis dit, c'est le moment. Et du coup, j'en ai pris deux en doré aussi. Ça c'est du fil et je voulais essayer de faire mes reliures avec ça va être trop épais, on dirait de la laine, mais bon je m'en utiliserai pour une autre chose. Et j'ai eu ça avec, donc je pense que c'est un cadeau parce que je me rappelle pas d'avoir commandé ça. Donc là c'est pareil, c'est dans une boîte comme à pizza, mais là c'est pas une boîte à pizza.
Désolée pour le bruit. Donc, j'ai déjà pris ça. Néocolore. Donc, je ne savais même plus comment ça s'appelait. J'ai vu Camille Scrap et quelques-unes scrapeuses qui sont utilisées. Ça me tente depuis un moment. Et là, du coup, ils étaient vraiment pas chers. Hein. Du coup, qu'elle fermait. Donc, du coup, j'ai pris quatre couleurs. Donc, ça fait un peu gris. Ça fait vert, entre vert et bleu. Le bleu et le rose. À la base, je voulais prendre deux roses, deux couleurs roses, deux bleus, deux verts. Puis ben après je me suis dit bon on va voir déjà avec ça. Sais pas s'il y a des numéros dessus. Je sais pas du tout. On verra. Je peux faire ça. Donc ça je sais pas trop c'est quoi. Non, je pense que c'est un cadeau. Ça doit être une boîte. Donc même quand ils ferment, ils mettent des cadeaux en fait, ils sont trop gentils. Donc du coup, c'est pour le mettre comme ça. Bon, je le fais avec vous tant qu'il suit. Je les avais même pas vus en fait. Ah ouais, ça fait beau ça. Pour mettre un livre à l'intérieur. Avec une étoile. Plus c'est épais ça. Alors, un papier. Donc ça, c'était un papier aquarelle, il me semble. Enfin, je regarde. Donc j'ai pris cette feuille-là. Bon, si vous entendez du bruit, c'est Victoire. Elle est arrivée dans ma pièce, donc ça y est, elle va toucher à tout encore. Et je vais encore devoir tout ranger. J'adore la machine à écrire, les bottes là avec la lavande, c'est trop trop beau, les fleurs. Celle-ci, je les ai même pas regardées, du coup j'attendais de vous les présenter. J'adore le cœur là. C'est trop beau. Mais au moins c'est en français, je comprends. Elle est moins épaisse cette feuille-là. Alors ça, j'adore. Ça, c'est trop beau. Les petits dinosaures. Mon fils adore les dinosaures, donc ça va être très bien ça. Donc ça j'adore, c'est trop trop beau. Avec la petite cabane en bois pour les vacances. Les pieds dans l'eau avec vue sur la mer. Ça, j'hésite à en prendre deux. Je trouve trop trop beau ce papier-là. Florilège design. Comment s'appelle la dame?
Donc je crois que je vous ai tout montré. Donc j'ai beaucoup de rangement en ce moment dans ma pièce, donc je fais pas beaucoup de vidéos, mais je voulais vous faire voir ça. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. C'était qui?